Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est vendredi, le 13e mai de cette année 2022. D'après la nouvelle présentée dans la vidéo dans le site web de mynbc5.com et dans le site web de wcx.com, on peut entendre parler d'une séance législative qui s'est manifestée au palais du gouvernement de l'État de Vermont des États-Unis, situé dans la ville capitale Montpellier de l'État de Vermont des États-Unis, durant le jour d'hier, où il se trouvait des travaux nécessaires réalisés par les deux parties, le Sénat et la Chambre des députés de l'État de Vermont des États-Unis, dans le but de coordonner leur accord concernant dire oui sur le budget de 8,3 milliards de dollars, celui qui a pour visée de centrer la priorité sur quelques matières nécessaires pour l'État de Vermont des États-Unis, tel que le gouverneur Phil Scott et la législature de l'État de Vermont des États-Unis avaient proposé. En parlant de cette matière, on me dit que ce sont des matières telles que 96,6 millions de dollars destinés à la connexion pour l'Internet, 215 millions de dollars pour les travaux nécessaires destinés à l'environnement, 104 millions de dollars pour les projets nécessaires destinés au système de provision d'eau et au système d'évacuation des eaux sales, 90 millions de dollars pour le développement de logements, 137,8 millions de dollars pour la communauté, la main d'œuvre et le développement économique dans l'État de Vermont des États-Unis.